Quel plaisir de vous retrouver, fidèles amis du magazine Yekolar. Yekolar fait par nous et pour tous sur Mandico Télévision. Je suis Mika Moutaïta. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Yekolar. Et ce numéro nous plonge dans l'univers des arts, notamment le 7e art qui est la cinématographie. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Et là, tout de suite, je vous laisse découvrir les deux visages de nos invités. Qui es-tu, Lina? Je t'avais dit qu'ici, c'était l'heure. Et on peut même voir des étoiles. Vas-y, bon, vite! Madame, Messieurs, comme je venais de le dire tout à l'heure, il s'agit de deux invités. Et alors, ces deux femmes... Elles sont actrices, elles évoluent dans le monde du cinéma. Il s'agit de Gloria Gomer et Evelyne Wanga. Elles sont actrices principales de la série « Ma meilleure amie » et à qui je dis bonjour et bienvenue, mesdames. Bonjour. Gloria Gomer, c'est ça? Gloria Gomer, dis-nous s'il vous plaît, madame, qu'est-ce qui vous a mis en relation avec le cinéma? Bon, ça a commencé en 2019, où j'ai commencé avec les gags qui passaient sur YouTube, avec un groupe de jeunes à la Cité Verte. Et c'est avec ça que je me suis mise en relation avec les cinémas. Et j'ai aimé et j'ai voulu continuer. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ces métiers d'acteur? C'est les changements de personnage. C'est quitter moi, Gloria, pour jouer les rôles de quelqu'un d'autre que je connaissais pas, et me mettre dans sa peau, être vraiment elle, faire créer, c'est pas une illusion entre moi et Gloria, on sait pas est-ce que c'est vraiment elle ou pas, elle est comme ça dans la vraie vie ou pas. C'est ça en fait qui m'a poussée à intégrer les cinémas. Evelyne, quel a été votre premier contact avec le cinéma? Moi, c'était le court-métrage de la série Ma meilleure amie. C'est à travers une copine que je me suis retrouvée dans les cinémas. Donc, si je comprends bien, il s'agit d'une personne proche de vous qui vous a influencé, comme c'est toujours pour tout enfant, lorsqu'on grandit, on est influencé par l'entourage, par les parents. Donc, vous, c'est votre amie qui vous a influencé. Elle est aussi dans le cinéma? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une maquilleuse, en fait. C'est une maquilleuse. Elle m'avait contactée, elle m'a dit, je crois que tu feras une bonne actrice. Va essayer, si ça va marcher, tu continues. Et j'ai essayé, ça a marché aussi. Elle a cru en vous et vous-même, vous n'avez pas cette idée de vous lancer? Non, je n'avais pas cette idée. Mais elle avait vraiment cru en moi. Et ensuite, les réalisateurs aussi m'avaient dit, je crois que tu as bien des compétences pour jouer ce rôle et tu feras aussi de grandes choses si tu continues. Et je crois que ça a marché. Alors, Madame Evelyne, dites-nous, vous-même, vous avez cette passion-là de continuer ou c'est seulement parce que vous avez intéressé que vous êtes là ou vous avez cette passion de continuer dans le cinéma? Je veux bien continuer avec le cinéma et aller encore plus haut, découvrir des nouvelles horizons dans ces mondes du cinéma. Dans la série Ma meilleure amie, y a-t-il une scène qui vous a particulièrement marqué? Une scène, c'est beaucoup de scènes. Donc, en fait. Un moment qui vous a particulièrement marqué? Je pense que c'est la scène du gifle, de la gifle, parce que j'ai été giflée plus de 5 fois. Et j'ai fini avec la main dessinée en fait sur ma joue. Donc je pense que c'est la scène qui m'a beaucoup plus marquée parce que ça faisait mal. J'ai pleuré à chaque fois que j'ai parti dans la douche pour faire, quand on coupait en fait, quand on faisait, avant de dire action. Je partais dans la douche. Donc, c'était une vraie gifle. C'était une vraie gifle. Ok. Evelyne. Les scènes qui m'ont marqué, je dirais le fait déjà d'embrasser une fille. Ouais, ça m'avait vraiment marqué. Et en tout cas, il y en a plusieurs. De jouer au basket, quelque chose qui est trop difficile pour moi. Mais j'avais quand même essayé de surpasser ces challenges. Et voilà. Pensez-vous que les téléspectateurs devraient regarder cette série? Ouais. Et je veux à ce que chacun de nous puisse tirer une conclusion parce que
on a tous des pensées qui diffèrent. Chacun sait que si je regarde cette série, c'est pour avoir peut-être un conseil à donner. Je peux être dans le mauvais chemin. Je sais que cette actrice avait fait ceci, avait fait cela pour l'aider à sortir de ses délires. Gloria, dites-nous, le parent, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette décision que vous-même aviez prise? Bon, ma famille restreinte, ça va encore. Ma mère, mes frères l'ont bien pris. Mais mon père, c'était compliqué. Parce que chrétien, c'est pas son truc, en fait, une fille qui a embrassé une fille et tout. On a fait, je crois, un mois, on ne se parlait pas à cause de ça. Mais bon, c'était passé. Et la famille élargie aussi. Il y a certains qui étaient contre, il y a certains qui voulaient menacer, genre porter plainte, parce que pour eux, on m'a forcé à faire ça. Donc, c'était des problèmes un peu partout. Mais après, ils ont compris, quand ils ont suivi toute la série, les deux épisodes pilotes qu'on avait postés sur YouTube, quand ils ont suivi, ils ont compris. Parce qu'ils voyaient juste la partie où on s'embrassait, que les gens publiaient sur TikTok. C'est ce qu'eux, ils avaient vu. Et ils se sont fait une idée en mode, toute la série, c'était que ça, en fait. Il n'y avait que des bisous, les bisous, les bisous. Et quand ils ont suivi, ils ont compris qu'il y a quand même une leçon selon eux, dedans. OK. Comment s'est passé le casting? Déjà, nous savons, lorsqu'il y a casting, il y a beaucoup de critères, il y a d'exigences et tout ça. Alors, comment ça se passait? Déjà, cette question, je la réserve au réalisateur, J.D. Matézo. Il sera de notre, dans quelques jours, il est notre prochain invité. Alors? Bon, personnellement, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, j'ai commencé avec les gags. Et après le confinement, ça ne marchait plus parce que tout le monde était chez lui et les amis ont changé des vies. Certains ont changé des quartiers, donc on ne pouvait plus se réunir ensemble. Alors, j'étais sur Instagram, je crois, et j'ai vu la page MBFilm qui avait posté une série Kin Label. Et j'ai aimé les jeux d'acteurs des autres acteurs qui jouaient, et j'ai écrit à la page que j'aimerais aussi jouer avec eux. Et ils m'ont demandé de faire les castings, de passer au casting. Donc, j'ai fait mon casting, j'ai envoyé une vidéo de 1 minute, je crois, où j'ai changé des personnages. Et après, j'ai commencé avec un court-métrage qui n'a pas marché. Et ensuite, on m'a proposé de faire Ma meilleure amie parce que j'avais l'air jeune par rapport à mon âge. Donc, je fais 17 ans, donc voilà. OK. Oui, ça se voit. Il y a une anecdote, je ne sais pas moi, amusante ou mémorable que vous pouvez nous partager là, sur le plateau, que vous avez vraiment aimé pendant le tournage. C'est pendant qu'on mettait la nourriture sur table. Et pardon, c'est ma partie préférée du tournage. Ok. Oui, c'est quand on devait manger, c'est là où, oh Seigneur. Donc, je veux manger, c'est ça? J'aime manger. Evelyne, c'était quoi en fait l'anecdote mémorable, amusante pendant le tournage que vous pouvez nous partager là tout de suite? Bah, on aime tous manger, hein. C'était votre partie préférée. Notre partie préférée, en tout cas. C'est donc qu'on voit la nourriture. Oh, OK. Qui vous inspire dans le cinéma? Personnellement, c'est Zendaya. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Oui, je la connais. OK. Donc, elle a commencé avec Agent Kessy. C'est à ce moment-là que je commençais à la suivre. Et pépite. C'est elle, en fait, qui m'a beaucoup plus donné envie de rester dans ces chemins-là du cinéma, en fait, parce qu'elle faisait bien ses rôles. Et en RDC, y a pas, vous n'avez pas d'inspiration, vous n'avez pas de modèle? En RDC, j'avoue que je ne suis pas trop le théâtre. Je ne Mais il y a aussi pas... le cinéma. Ouf, cinéma congolais, faut que je m'intéresse. Je veux commencer à m'intéresser. Donc, vous ne savez rien du cinéma congolais? Pas grand-chose. Alors, Evelyne, qui est votre modèle? Moi, c'est Jennifer Lopez. Okay. Jennifer Lopez. J'aimais bien ses musiques avant. Et lorsque j'avais vu, je l'ai vu sur le tournage du film Anaconda, j'étais vraiment captivée par son courage, tout ce qu'elle faisait là. J'aimais beaucoup. Et depuis là, je suis devenue trop fan. Et comment ce projet Ma meilleure amie a-t-il influencé votre parcours d'acteur?
J'ai compris une chose, que dans la vie, il faut croire en ses rêves et aussi être patiente. Ok. Être patiente, Gloria. Je peux dire que c'est mes débuts dans l'action, en fait, dans l'acting. Et influencer, on n'est pas encore là-bas. Mais je pense que les challenges qu'il y a eu dans cette série, c'est tellement énorme que beaucoup d'acteurs ou actrices ne peuvent pas s'amuser à tenter. Donc pour moi, c'est je pense que c'est un début énorme en fait. Vous dites que vous êtes déjà au début, c'est les débuts, vous venez de commencer. Alors vous comptez continuer avec Ambifilm ou vous avez d'autres ambitions? Bon, on a beaucoup d'ambition, mais bon, pour le moment, nous sommes là encore avec Ambifilm. Parce qu'il y a encore la saison 2 qui s'y prépare, donc on espère aller loin. Quelles leçons avez-vous personnellement tirées sur cette série? Leçons que j'ai personnellement tirées par rapport à la série Ma meilleure amie. Je pense que il ne faut pas juger trop vite. Souvent, on se laisse juger une personne par son apparence et on ne connaît pas vraiment le fond. Je pense que c'est parmi les leçons qu'il y a à tirer dans la série. Evelyne, la leçon que vous avez tirée de votre expérience sur cette série, Ma meilleure amie. La leçon que j'ai tirée dans la série, Ma meilleure amie, c'est de demander aux parents de ne pas seulement être financièrement à côté de ses enfants, savoir aussi ce que les enfants veulent par rapport à l'argent et tout. Côté, tu peux être pour regarder, mais il y a quelque chose qui te dérange au fond. De toute façon, que tu ne sais pas avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux parler. Mais je sais que les parents ont cette force-là de faire sortir ce qui est à l'intérieur des enfants. Mais une fois que vous n'êtes pas avec vos enfants, ça sera un peu difficile. Et des fois, l'enfant peut s'embrouiller. Tu sais qui se passe chez vous à la maison, parce que là, vous êtes lancé dans un nouveau monde. Est-ce que les parents vous accompagnent? Ils sont d'accord avec ce que vous faites? Ou il vous demande juste de le faire pour un temps et laisser tomber? Ah, les parents. Ma mère, oui. Mais elle me laisse faire ce que je veux. Mais après, je suis adulte et j'ai essayé ce qui est bon, mauvais. Et faire le bien, éviter le mal. Voilà. Vous faites un effort de faire le bien et d'éviter le mal. OK. Y a-t-il un aspect de votre carrière que vous aimeriez explorer à part ce que vous faites actuellement? Une autre carrière, en fait, quelque chose d'autre que vous aimeriez explorer à part le cinéma, comme vous le faites maintenant? Moi, j'aimerais bien explorer le monde du sport. Le sport. Le sport, oui. C'est ce que j'aime beaucoup. Ok, Gloria. Moi, personnellement, c'est le monde du médical que j'aimerais explorer. Parce que je suis infirmière, j'aimerais aller encore un peu plus loin là-bas. OK. Et comment vous faites pour combiner les deux? Parce que déjà, avec le cinéma, ça vous prend beaucoup de temps. Et à l'hôpital aussi, c'est compliqué. Oui, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué. Parce que des fois, on a des gardes, des fois, on travaille jour. Et des fois, tu as les missions en jour, tu as aussi du travail en journée. Et mais bon. Jusque-là, j'arrive à gérer mon timing par rapport aux deux. Je demande des absences et on me laisse tranquille. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Là, nous avons découvert les deux visages du cinéma. Ce sont des étoiles montantes, hein. En tout cas, elles viennent en vitesse. Alors, préparez-vous. Nous sommes sur Mandico Télévision, mesdames et messieurs. Elles sont actrices dans la série « Ma meilleure amie » du réalisateur J.D. Matteso. Et dites-nous, à quand la sortie de la fameuse série? La fameuse série, la sortie est prévue pour le 3 novembre. 3 novembre. Oui, de cette année. Toutes les plateformes. Est-ce que nous pouvons trouver l'intégralité sur YouTube? Bien sûr, ça sera posté, ça sera diffusé sur toutes les plateformes en fait. YouTube, Instagram, TikTok. Et nous aurons aussi le droit de diffuser sur Mandico? Ah, mais là, il faut parler avec les réalisateurs. Hein. Ah, il va passer, il va parler.
Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Avant de nous séparer, Evelyne, qu'avez-vous à nous dire pour finir, un mot de la fin, un petit conseil? Pour les gens qui vont regarder la série, oui. Ne tirez pas directement la conclusion pour ce que vous allez voir peut-être au début. Suivez l'entièreté de la série, tous les 12 épisodes. C'est 12 épisodes. Oui, c'est 12 épisodes. Okay. Et on verra la suite. D'accord, merci Gloria. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Mon mot à dire pour la fin, c'est que la série sort le 3 novembre du mois prochain. Voilà, c'est le mois prochain. Et sur toutes les plateformes de MB Film 243, n'oubliez pas les 243 à la fin parce que sur le réseau, il y a beaucoup de MB Film. Mais il n'y a pas 243, nous sommes l'unique. Et regardez la série jusqu'à la fin, il y a 12 épisodes, je pense que vous ne serez pas déçus. Et si vous voulez des leçons, vous allez tirer des leçons là-bas. Merci. Merci mesdames. Alors, chères dames et messieurs à la maison, vous qui nous suivez, suivez l'intégralité le 3 novembre sur toutes les plateformes de MB Film 243, c'est ça? MB. MB. C'est MB Film 243. Suivez l'intégralité de la série. Moi, j'ai déjà suivi l'avant-première. En tout cas, je vous assure, c'est une pépite. Hein. C'est vraiment très intéressant. Vous ne serez pas déçus à la maison. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange. Vous avez apprécié cette émission. Restez connectés sur Mandico Télévision. Rejoignez-nous sur YouTube en écrivant Mandico TV, sur TikTok Mandico TV, sur Facebook c'est Mandico Holding. Commentez, likez, partagez, réagissez, envoyez-nous des messages sur WhatsApp, le numéro est juste inscrit au bas de vos écrans, alors nous serons là pour vous répondre. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro, mais avant de nous séparer, je vous laisse suivre la bande-annonce de la série Ma meilleure amie. Je m'appelle Noémie et je me retrouve dans une nouvelle école où je ne connais rien ni personne. C'est sans doute la raison pour laquelle je n'ai pas trop envie d'y aller. Douleur ou pas, tu iras de toutes les façons. Mais j'étais bien dans mon ancienne école, moi. Je commence un deuxième travail pour pouvoir payer ton école ainsi que cette maison. Et Dieu sait que j'en ai pas de moyens. Devrais-je te rappeler que je fais tout ça pour toi? Je veux te mettre ici cette journée. Mbata, ça tombe bien. Je pourrais lui faire visiter l'école pendant la pause. T'es du Collège National de Kinshasa, t'es automatiquement concerné. Il se passe des choses entre les élèves et les professeurs. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il vivra, verra. Allez, assieds-toi. Tu veux qu'on fasse quoi? On va se battre. Bah, c'est quoi, mais... Le fils du pasteur. Quel fou, celui-là. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Personne n'a peur ici. Patrick, Yannick! Je suis tenu par le secret professionnel. Lâche-la! C'est des choses qui arrivent. Non, écoute trop ça. Qu'est-ce que tu fais? L'impression de personne. Laisse-moi! Genre, qui es-tu, Lina? Je t'avais dit qu'ici c'était mieux. Et on peut même voir des étoiles. Mon désir le plus cher, mon rêve le plus cher, fonder une vie de famille. Partager. Ça suffit maintenant, silence! Connaître ta mère, construire un avenir. Et on fera tout à deux. Dans l'avenir, je nous vois tous les deux. Tu es dans ma tête, Noémie, c'est ma best. Mm-hmm. Best de best.